Voilà. Donc Je veux pas y aller. voilà. Donc à partir Tu l'avais toi le DLC? Whistleblower? Ouais. Non, je crois pas. D'accord. Je T'as sais pas pas en poussé, fait. jusqu'à acheter le DLC alors que t'as même pas fini le premier chapitre, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On reprend depuis le Nouvelle, début? tu te rappelles comment on y joue, toi? Bon, ma nouvelle partie alors. Normal. J'aime bien la phrase d'intro, moi. Bon amusement! Des Bon scènes de alors. violence intense, du sang, du contenu graphique dans le sexuel et du langage grossier. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Bon, bah allez, hop, tu vas sauvegarder là-dessus. Hein. De toute façon, oui, on va écraser les données. Alors, oh merde! Je voulais relire le background. Tu es un journaliste qu'on a encadré sur des trucs qui se passaient dans un asile paumé Ah au oui. milieu de la Pampa, et tu vas voir. Et bien sûr, comme t'es super intelligente, t'y vas à minuit alors que l'asile est barricadé, quoi. Effectivement. Autre jeu qui était assez efficace, mais que au début, le Evil Within était sympa aussi. Mais que le début. Ah ouais? Ah ouais. Avec le boucher là? Bah ouais, toute la scène justement où t'as le boucher, t'as la scène avec le manoir ou autre. C'est pas mal niveau ambiance aussi, mais après, c'est beaucoup moins impressionnant que ce que ça avait commencé en fait. Ah ouais. Ouais. Enfin, en plus, bah, ils sont cons parce qu'ils ont vraiment montré. Enfin, ils ont montré toute la scène en entier en plus, hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu t'es tapé le trailer Mount Massive Asylum, ouais. Si t'as été assidu et que tu t'es maté tous les trailers Bah moi de je les Evil Within. regarde plus les trailers donc moi je suis tranquille. C'est vrai qu'il faut arrêter vraiment les trailers, faut vraiment arrêter quoi. Ouais, je comprends pourquoi tu vas en asile, t'es en réserve quoi. En plus, dans le jeu, déjà la caméra. Alors, objet tuyau, activité illicite chez Murkoff Psychiatric Systems. Faut que je fasse vite, il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff. Série d'accords de confidentialité. Qu'ils aillent se faire foutre. Avant Perkit, kit. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Mais 10 minutes, t'es large. 10 minutes, ouais, non. Si, non, ça va, je me rappelle du début. Je sais qu'à un moment donné, on voit un truc paglope en plus sur le. Comment ça s'appelle? Je me rappelle qu'on voit un truc paglope dans le. Ah merde. Dans les fenêtres. Ah non, 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 mais attends, je t'ai pas fait venir ici pour que tu me fasses des tranches comme ça, toi, hein. C'est mort, hein. Déjà, faut être complètement allumé de la gueule pour se barrer et laisser des ordis, quoi. En plus. Et tu vois, je disais, Dying Light, c'est ça en fait. Sauf que t'as des. C'est ça, des zombies qui s'acharnent contre des portes. Voilà, c'est ce genre d'ambiance là, quoi. Comment on fait déjà pour mettre le. Rends-moi mon. Je sais plus. Peut-être les gâchettes, non? Ah, les gâchettes, c'est se pencher. Ah, c'est R1. Ah mais du coup, comment tu mets la vision infrarouge? Alors là, c'est le zoom. Ah Putain. Bordel. Mais je me souviens que je crois qu'il faut passer par un côté en fait. Voilà la petite porte là. là. La petite coquine.
Déjà, un jeu qui te propose la vitesse d'ouverture de la porte, tu dis qu'il y a. Qui cloche, quoi. Alors, une note. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, quoi. Ah oui, c'est là-bas. Voilà, c'est là. Oh putain. Oh, ça va, c'est juste un mec qui a éteint la lumière de chez lui, quoi. Eh ben non, faut rentrer par les fenêtres. Ah oui, il y avait des échafaudages, je crois. Ouais. Je crois que c'était là. C'est ça, ils sont là, les échafaudages. Et il voulait que je zoome sur quoi là? Je voulais juste expliquer comment on zoomait. D'accord. Parce que c'est le scoop de sa life, voilà pourquoi. Et ouais, complètement. C'est par là. Hein. Ouais, ouais. De toute façon, t'as pas franchement le choix pour l'instant. Exact. C'est vrai qu'autant niveau graphique, il est plutôt basique, mais autant niveau ambiance sonore. Allez. Marc, voilà. Oh l'enculé. Et là tu dis que le mec il a pris un caméscope. Et pourquoi il a pas pris son téléphone portable ou ne serait-ce qu'une simple lampe de poche quoi. Ah là là. Tant de bons jeux qui sont complètement mis à zéro par une simple logique. Pile. Ah oui, exact. Le bâtard. Bon, ok. Allez, on continue. Dossier, bureau. Ouais, j'ai vu. Pile. C'est pas une pile, c'est un ordinateur. Ça. Ordi. Ordi baby. Ah, un qui se fait plaisir dans les toilettes là. Coca-Cola drink. Qu'est-ce que ça? Tu veux pas savoir. Putain, y en a un, il a saigné du nez, mais alors quelque chose de bien, quoi. Ouais, ou alors c'est un bout d'incestin. Aussi. Non, mais je préfère dire qu'il a saigné du nez. Mais pourquoi le monsieur, il veut aller dans un endroit où ça pisse le sang? Parce que c'est le scoop de sa life, on l'a déjà dit, bordel. Non, visiblement, c'est pas par là.
Après, tous les jeux qui touchent de toute façon à la folie humaine sont généralement pas évidents à gérer. Hein. Non, mais c'est clair. Ah, putain, l'enculé. Oh oui, c'est là où il y a des gens pendus. Il y en a un, je crois, il était pas complètement mort, si je me rappelle bien. Il me semble. Bon, lui, de toute façon... Lui, il est mort. C'est sûr qu'il est mort. Oui, c'est celui qui est là. C'est lui, là. Ah, je m'en rappelais. Je m'en rappelais, tu m'as pas fait peur. Et c'est des têtes d'ailleurs. Ah ouais. Oh, c'est moche. Mais comment tu peux arriver à causer avec ça qui te traverse le... TGCM. TGCO. Et ça fait les yeux aussi... Oh. Ça fait les yeux aussi brillants qu'une caméra infrarouge. Faut croire. Ou c'est juste un effet qui est donné, quoi. Il en reste pas grand chose de celui-là. Non. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on entend le souffle aussi du personnage. Oui. Non, typiquement, Outlast, il faut y jouer sans le son, en fait. Je pense que sans le son, il est prenable. Je suis même pas sûr. Franchement, si, ou pas. Alors en mettant une autre musique, genre Bugs Bunny, quoi. Petit cochon. Ah oui, c'est vrai que lui, il nous balance. Yeah. Voilà. Putain, je le crois pas. on voit une bagnole passer dans le... On voit une bagnole passer dans le dans la rue qui éclaire le mur. Tous les deux regardent. Nique les piles de la caméra. C'est fait pour. Ah ouais, mais là, il m'a piqué ma caméra, du coup, non? Non, non. Oh, enfin, un objectif sensé, quoi. Tiens. Pile. T'en as plus, hein. Pourquoi elles sont marquées où? En haut à droite, 0 sur 10. Chiotte. Ma foi, tu les changes à tout bout de champ, donc... Murkoff. Murkoff Corporate. Alors ça, je comprends pas. Le tu vois, autre logique qui tourne pas rond dans ce jeu, c'est que on croise des téléphones... qui font bup, 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 donc ça veut dire que la ligne est bonne. Bah non. Si la ligne est pas bonne, ça bip pas du tout. C'est la sonnerie pour dire que la ligne est occupée, en fait. Non, si ça fait bup, bup, ça veut dire que quand sur un téléphone décroché, ça veut dire que juste tu raccroches et tu récupères et c'est bon. Bah ouais, mais t'as pas d'interaction avec le téléphone, donc c'est mort. T'as une pile, là. Oh, une pile. Une pile. Là, faut choisir, hein. C'est soit le vibro, soit le... Soit la caméra. Il y a des gens qui font des speedruns à ce jeu. Ah bon? Ok. Coup, il y en a un, il a chié, mais fort, quoi. Oui, il avait une méchante chiasse, celui-là, mais costaud, quoi. Alors...
Mauvaise idée. Je peux pas ouvrir tous ces trucs là, non. Visiblement, il n'y a rien. Tu t'es pris pour le Père Noël pour passer devant la cheminée. Un peu, ouais. Apparemment, la vue nocturne, oui, ça pompe les piles comme il faut, quoi. Bon, pas de pile, pas de pile, pas de pile, pas de pile. Monsieur mort. Ordinateur. Pas de pile, pas de lumière, pas de lumière, pas de palais. Pas de palais. Putain, mais le pognon qu'on peut se faire là en revendant tous les ordis. Ça sert à rien, pour l'instant tu peux pas, sortir donc. Ah merde, c'est mes pieds ça. Sympa. Pour jeter un coup d'œil dans le noir. Coucou. Coucou, je fais le malin. Ah putain, cette sale. Ah. Oh. Voilà. Celle-là de salle. Ah ça, je peux pas. Ah oui, il manque des morceaux, monsieur. Non mais il. Eh ouais, mais il se tripote la nouille avec le moignon, quoi. Ouais. Et lui aussi, il lui manque des morceaux. Putain. Bon. C'est quoi ce jeu? Pourquoi il y a des dames qui font. Parce que t'as plus petit. Plus pile. Oui, j'ai plus de pile, oui, j'ai vu. La carte d'accès. Oh oui, oh oui. Bande d'enculés, vous allez me filer des piles, oui. Ah oui, et on revient dans la salle, je me rappelle. Oh. Et tu repasses à côté du mec dans son fauteuil qui, je crois, te saute dessus. Je crois que les mecs, ils parlent, là. Je sais plus. Si, il se lève, il pète un plomb. Non. Genre, il lance un truc sur la télé, non? Non. Ah, c'est lui qui se lève? Il me semble. T'as l'enfoiré! Je t'avais prévenu en plus, hein. Mise en boule en position fœtale. Mm. Y a pas des piles sur les étagères, hein? Attends, excuse-moi. Je peux pas fermer là? Genre qu'ils me foutent la paix, quoi. Bon, attends, je vais au moins fermer là. Non, y a rien. Ouais, que dalle, hein. Ouais, un dossier, là. Chouette, un dossier, mais ça me donne pas des piles, là. Ouais, tu pourras toujours le cramer, quoi. De toute façon, je peux lui... J'ai vu, je peux lui spoiler ce qui se passe, Rufo, il sursaute quand même, donc... Maman.
Ma maman est chaste. Et pure. Et pure. She's pure. Ok, je la fous, la carte. Dans ton cul. Le local de sécurité, c'est de l'autre côté. Oh putain, non, pas ça. Ouh, je fais du parcours. C'est là-bas, non? C'est là-bas. Non, non, c'est pas en bas. Pas encore. C'est ça? C'est ça. Non, en courant. Ah oui. Il y a encore des gens qui se sont chiés dessus. Pourquoi le monsieur il prend pas un balai pour... Witness. Tu es le témoin. Les témoins. Tiens, un morceau de colon. Il y a encore un qui s'est vraiment éclaté le fiacre. Moi j'aimerais bien avoir une pile. Une pipile. Oh, charmant. Tiens, une pile. Ah, une pile! La combe de... Mais pourquoi ils me font des trucs comme ça? C'est éprouvant comme jeu en fait. Mise en PLS. C'est vraiment éprouvant. Hein. Ferme, ferme, ferme. Pourquoi? Parce que... Je suis mieux avec les portes fermées. Oh putain. Ouh, ça va être long. Ils sont en 56K ou quoi? Hello. Planque-toi. Mais comment je... Ah. Ah oui, c'est vrai. Ah, que j'aime pas ça. T'as de pute. On dirait le comment ça s'appelle? On dirait le gros qu'il y a dans le nom de la rose. Tu te rappelles pas de ce film? Si, si, si. Le gros, il y en a un qui se tapait les autres moines et qui se s'auto-flagellait. On l'entend plus là, on est bon. D'accord. Moi j'irai pas par là. Ah, c'est pas par là? Ah non, le disjoncteur il est au sous-sol. Ah, donc c'est par là alors. Oh putain, faut descendre. Oh non, c'est ça. Oh, c'est ce passage là. Je le hais, ce passage. C'est d'ailleurs là que je me suis arrêté. Une petite pile? Ah bah voilà la pipile.
pourquoi il y a un type qui vient de dire qui est là? Parce qu'il t'a entendu. Ah mais ça y est, j'ai plus de... Presque plus. Alors top. Ok. Évidemment. Et toutes les têtes sont en haut. Donc. Et si on faisait un peu de bruit? Sous le lit. De quoi sous le lit? T'as une pile là au fond. Tu la vois clignoter là sur la gauche? Ouais, mais c'est le moment de d'y aller ou pas là? Vas-y. Oh putain, mais t'es con! Ah bah non. Non! Putain, putain, l'enculé! Comment je fais là? Bah, tu ouvres la porte. Et tu te caches dans l'armoire? Non, tu peux pas. Bon bah, vas-y, bute-moi. Tiens, non, ça ira moi. Tiens, non, ça ira moi. Tiens, non, c'est toi qui as les commandes en main, c'est pas moi. Bah, bah regardez, je suis tout rouge, je meurs. Je me souvenais que. C'est pour ça que j'avais dit sous le lit, je me souvenais qu'il y avait un truc comme ça. Hein. Mais du coup, comme j'ai rien entendu, je me suis dit non, c'est bon, ça passe. J'ai oublié la pile. Ah bon? Ah, il a une pile au fond. Hein. Correct. Allez, on s'en fout. On y va en parcours, là. C'est bon. On est chaud, on est bouillant. Donc là, non. Là, oui. Récupère la pile avant. Ouais, tant qu'à y être. Pile. Ouais, coupe le... coupe l'infrarouge. Et sous le plumard. Non, tu vois rien, quoi. C'est ignoble comme jeu, en fait. Je suis obligé de cramer, là, de... Je suis obligé de cramer de la batterie, enfin de la pile pour... Non, tu l'entends. Oh putain, regardez-moi ça. Mais il vient pas l'éteindre après? Non, non. Il n'y avait pas de gros minet. Là, le but c'est que tu restes accroupi et tu l'évites maintenant. Ce qui est normalement beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais il est où? C'est ça le problème. Ce qui fait des rondes en plus, non? Oui. Il est en face là-bas. J'éteins tout, il me voit plus. Non mais même allumé, il te voit pas en fait. Mais il est venu justement par la porte qui était fermée tout à l'heure. Ferme.
Tu fermes ou pas? Oh mais quel con. Armoire. Coupe. Oh mais merde, je viens de balancer une pile. Quel con. C'est comme Riddick, il a passé tellement de temps dans l'obscurité que maintenant il voit dans le noir. Mais il vient d'essayer d'ouvrir un... Non mais je crois que c'est scripté ça, il ouvre genre les deux à côté de toi mais après il se barre. Juste pour te mettre un peu la pression quoi. Non, la blague, c'est faut que tu ailles à la porte qu'il a ouverte. Toi. Des aimants. Très bien. Non, 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 mais j'essaye d'écouter s'il est encore là. En face. Putain, je vais me le retrouver en face, ce bâtard. Il est là. Mais il est où? Il est parti plus loin. Ah mais alors lui il fait pas semblant quand. Putain, je suis passé. J'ai déjà plus de piles. Ouais. On a là. Piles. Ouais, non, ils ne sont pas là. Ou alors c'était un reflet. Je ne sais absolument pas par où aller. Il me semble que justement, il y a un truc où tu dois te planquer. Tu as une pile là. Planquer et après courir, mais je sais plus en fait. Là, c'est pour te cacher. Là, c'est pour réamorcer le truc. Ah, bah oui, bah. C'est bon, hein. Vas-y, active le disjoncteur. Attends, je vais voir d'abord. Fait bien du bruit en plus, connard. Ça l'a pas activé. Non, parce que tu as les deux pompes, le disjoncteur, et après tu l'allumes. Au centre de la pièce. Avec l'autre connard qui fait des rondes. Connard qui fait des rondes. Ok. Bon, bah allons-y. Ah, l'enculé! Je t'avais dit qu'il allait venir. Et cours, 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 cours! Gauche. Saute. Droite. Ah. Droite. Non. Non! L'autre côté. Là, entre les deux murs, là. Voilà.
Oh non. Où je vais maintenant? Tu peux couper, tu peux couper. Voilà. Retourne au centre de contrôle. Là, là. Ta gueule. Ce jeu, bordel, ce jeu. Ah, il se mérite le trophée, hein. Tu peux sortir, y'a rien là. Ta gueule. Deux secondes, je me repose. Oh, tu sais quoi? Ce jeu, il me fait pareil que. C'était dans quoi? Dans The Grudge. Ah. Le film. Dans The Grudge, ces enculés, ils m'ont fait sauter le seul endroit où je me sens à l'abri. Sous ma couette. Oui, parce qu'à un moment, elle lève, parce la, couette, moment, elle lève la couette. Parce qu'à un moment, elle lève la couette, elle a le fantôme devant la gueule. T'as la tête sous la couette, ouais. Ils mentent. Justement, vas-y, appuie sur le clavier, tu vois, il y a la scène que je te parlais qui était rigolote. Mais pourquoi il y a des mecs qui glissent sur le sol? Parce que je sais pas, j'ai pas poussé l'histoire assez loin, mais y a un truc de possession de poltergeist ou ouais. Y a un truc pas cool. Bah déjà l'autre là avec le avec les lèvres retirées. Y a la folie et y a aussi ils ont réveillé quelque chose à travers leur expérience. Je sais pas pousser assez loin en fait pour savoir. Et je saurai probablement jamais en plus. Faut que je me motive et que je le finisse ce jeu. Parce que je peux pas rester avec une histoire inachevée, quoi. Ah bah à gauche. Ouais, va tout au bout. T'inquiète. T'inquiète qu'il me dit lui. Ouais, non, mais là c'est... Oh, il reste pas grand chose. Voilà, c'est ces deux-là. Vas-y, mets le... Voilà. Oh non. Oh si. Écoute-les. Voilà. Non mais l'autre il se touche le prépuce quoi. Ouais. Ok. En disant qu'il veut ton foie à ta langue. Enjoy. J'en étais sûr que lui il allait se foutre des coups de tête dans le mur. Je le savais. De mémoire, t'as pas grand chose à fouiller là-dedans, de toute façon. C'est lui, là. Ouais, c'est le genre de lieu qui sert à rien et qui est là juste pour te cramer des piles, quoi. C'est ça. Bah, lui non plus, il reste pas grand chose. Oh putain. Mais c'est quoi ce con de jeu? Demain, faut que tu fasses... Ah, mais...
que je dorme, toi, après. Ouais, de mémoire, tu disais. Tu remontes et en fait, tu passes dans l'autre sens. À l'inverse de là où il y avait les mecs. Je pars à gauche, je pars à droite. Et ils sont encore là, les deux, là, ah, en train de se toucher. Ils t'attendent. Hein. Ils sont toujours là, en train de se toucher le kiki. Ah voilà, la corniche en face. Et comment on y va? Ah merde! Chaque fois je balance les piles. Ah bah. Faut passer par eux? Non. Mais ils vont vouloir. Ils veulent me manger, les messieurs! Sauter, tu peux pas. En l'air, non? Non plus. Non, parce que là, j'ai. Ah non, ça essaye, fait pas mal. Essaye d'ouvrir les portes en face, justement. Peut-être que tu pourras grimper dans une des cellules. Mais il se passe quoi là? Ah, le jeu de la savonnette. Sérieux? Je sais pas. Tu crois qu'il y en a un qui est en train de découvrir l'anatomie d'un autre? Ah, ça. Tu me diras. Soyeux. Mais. Ouais. Un petit peu de nécrophilie. Ah d'accord, il a vraiment enculé un monsieur mort. Oui. Et il te traite de malade. Oui, je veux bien. Voilà. Moquer. Non mais moquer, complet. Je suis complètement mot d'accord. Non mais là-bas il y a mes potes. Putain mais ils veulent. Je crois qu'ils sont partis. Hein. Oui ils sont partis mais bon, il faut vraiment aller vers les messieurs au kiki à l'air quoi. Oui. C'est de là que je viens, là-bas il y a l'autre. Là, et là-bas, c'est fermé. Presque la corniche. J'ai pas envie. Alors, déjà, des messieurs qui se baladent avec un zizi à l'air. Pardon, mais... Non, en plus, il va se passer un truc en bas, forcément. Non, il se passe rien. Je sais non. Plus. Ce bruit gore du crâne qui frappe contre un mur. God always provide a way for the blood. Ça, c'est pas cool. Oh non, ils m'ont lavé. Oui. De tes péchés. Je le savais. Ça puait la pile à plein nez, quoi.
Ah oui, ça sent la pile. Ah, ça sent la pile. Ouh, je vais te manger la langue et le foie. Ouh, que c'est joyeux. Soyeux. C'est quoi ça? Une botte. Une chaussette. 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 Moi, je vote pour la chaussette. Le Ruffo gagne un niveau. Allocution spontanée des situations désespérées. Merde. Le barbare gagne un niveau. T'es un génie, mec. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tombé un truc. Ah, tiens, fait tomber un truc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un mime. C'est un mime Marceau. Il te dit par où sortir. The sewer. The drain. Ah mais non. The drain. Qu'est-ce que c'est? Du sang. Ah. Oh putain, mais c'est pas vrai. Fous-lui la paix à ta touche triangle. Ah, j'avais donc raison. Salut. Je sais pas pourquoi. Oh, une pile. Tiens donc. Cache-toi. Non. Oh non. Si. Cache-toi. Ah non, il y a personne. Pour l'instant. Tu sais, si le tutoriel t'a dit fermer les portes, ralentir tes poursuivants, c'est pas pour rien, à un moment donné. Hein. Moi, je me rappelle que justement, il y a un truc. Il y a un truc à faire, mais je me rappelle plus quoi en fait. Là, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Bon, dans le doute. Mais non, laisse-la ouverte. Pourquoi? Si t'as besoin d'aller te planquer. Oui, mais si je dois ralentir un mec. Bah, si tu vas te planquer, ça sous-entend que le mec te voit plus en fait. Alors, le sang, il va là. Inactive. Yeah, baby. Laisse-toi. Il est dans la pièce là où tu en fait. Donc tu peux normalement tu peux passer en dessous. C'est juste que la curiosité est un vilain défaut à un moment donné. Hein. Parce que t'as l'entrée de la pièce sur l'autre mur en fait, le mur de droite. Il est censé me voir là. Oh putain. Ouais, pourquoi t'es censé être planqué en fait? Donc il faut que je fasse du bruit et que. Il me semble. Oui, mais après, une fois que. Non, il faut qu'il me voie là. Je sais plus. Coucou, hijo de puta. Tu me vois? Tu veux voir ma bite? Coucou! Ma foi. Je sais qu'il y a un truc avec la salle de derrière en fait, mais je sais plus. Non, bah écoute, fais ta vie. Non, mais vu que je ne fais pas de bruit, il est peut-être content. Hein. J'ai pas envie, enfin j'ai envie d'aller dans la pièce là-bas, mais j'ai pas envie de passer devant lui.
Franchement, s'il devait sauter dessus, t'aurais déjà sauté dessus là. Pile! Se cacher dans ce truc. Pardon, vous êtes toujours là? C'est quoi ça là-haut? Mon Dieu, qu'ils sont moches. Presque autant que lui, d'ailleurs. Bon, bah, ciao, hein. Bonne journée. Ah ah! Au fait, petite dédicace à Lolo. Lolo Maru. Qui nous a conseillé de nous déplacer comme ça dans le jeu. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Hop, et hop, je me déplace. Hop. À la fin tu... Et il nous l'a fait. Et il nous l'a fait en live. Il nous l'a fait in situ, ouais. Il nous l'avait fait en live. Cours, 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 cours. Va te planquer, va te planquer, va te planquer. Il m'a vu. Oui. Mais il me bute là, non? Oui. Aïe aïe aïe. Mais lâche-moi! Fucker! Hop! Planque-toi. De mémoire, c'est ça pour se planquer. Mais il sait forcément que je suis là. Il y a des chances. Après, ils sont fous, donc... Voilà. Ah, l'enculé de jeu. Il est assez loin, tu crois? Oui. De toute façon, c'était vraiment le choix. Bon. Une petite pile. Appuie sur le bouton. Oui, oui, merci, j'ai eu. Non, c'est le deuxième qui va me courir après. Hello. Ouais, ok. Putain, mais il est là. Culé. Et ça passe. Non, je le crois pas, c'est les... C'est les deux barjots qui veulent me manger. Et en plus, je suis obligé d'aller vers eux, quoi. Pile!
que j'ai un certain talent, moi, pour trouver les piles. Pour les gaspiller aussi, j'en remarque. Pour les gaspiller aussi. Pourquoi il y a des gens qui regardent... on dirait les comment ça s'appelle, les systèmes de visualisation de Winamp. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai acheté les CD de joystick pour avoir des Winamp mis à jour. C'est vrai. Et surtout QuickTime, parce qu'il fallait QuickTime pour pouvoir lire le pour pouvoir lire le comment ça s'appelle, le menu. Je sens que la porte elle va se fermer sur ma gueule. Et puis de toute façon le sang ne passe pas par le. Cette porte nécessite un code, une carte codée. Ah. T'as pas le choix. Oui, donc je dois passer par là, quoi. Quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh, qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il vient de décapiter un menu. D'accord. Mais... Oh, la carte codée. Putain, je le savais. Putain, ils essayent de nous faire des blagues à la con avec avec les traînées de sang, là. Allez, bouge! Cours un peu! Il ne peut plus rien nous arriver. D'affreux, maintenant! Tonnerre et tout là. Sortez par les douches. Oh, il va y avoir encore des messieurs avec le zizi à l'air, quoi. En train de se tripoter le zizi, quoi. Et je peux pas sortir par. Ah si, je peux. Non mais je n'y vois rien du tout. Allô? Allô? Ah mais en fait c'était pas des messieurs qui se touchaient le zizi, c'était des messieurs qui s'étaient lavés. Donc c'est des messieurs tout propres. À quoi ça a servi que je fasse ça? À ce qu'ils te passent au devant en fait. Ils viennent te passer juste au-dessus. Ah bon? Oui. Tu les as vus toi? Tu les as pas entendus parler? Mais... Il n'y a pas de pile! Alors. Je pense que je vais du bon côté, mais. J'aime bien les portes où il y a marqué Security parce qu'il y a souvent des piles. Et des trucs qui permettent d'ouvrir la suite. Quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce qui se. Oh fuck! Là-haut, 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 là-haut! Non, reviens! Reviens, reviens, reviens! Derrière! Là-haut! Mais monte, bordel! Je sais pas de quoi. Par là! Adieu moi!
Je sais plus. Ah non, faut. Je sais plus en fait. Je dirais pas voir là. Ah si, visiblement. Ah bon, ouais. Oh putain, mais c'est quoi ça? Des tas de putes, je dirais. Je pense que ça doit être ça. Bon, quelle heure il est? Je pense qu'on va arrêter là, ouais. Voilà. On a fini la journée d'Halloween. Finalement, c'était le mot de la fin. C'est que là, nous sommes vraiment, littéralement tombés sur un tas de putes. C'est ça. Bon, ben voilà. Donc, merci d'avoir été avec nous, parce que vraiment, on a ressenti votre présence. Enfin, ta présence, Sora Red. Ouah, putain, quel maintenant jeu que nous n'avons absolument plus de virilité, ni même de décime de nous. Non, non, c'est fini, on n'a plus rien. Niveau zéro. Mais t'auras fait ton premier trophée sur Outlast. Je sais pas combien j'en ai fait, moi. J'ai pas dû en faire beaucoup. Pourquoi? Mais t'y es arrivé jusque-là? Je suis passé plus loin. Ah ouais, t'es arrivé plus loin? Bah regarde, tu vois, ça doit te marquer. Hein. Si tu compares nos listes. Ah mais ce jeu, il est horrible. Il est horrible. Il est rude, hein. Ce jeu est horrible. C'est impressionnant, quoi. Bon, allez. C'est bon. On va arrêter là parce que... Waouh. Demain, je fais du Lego Dimension. Et alors, attends, parce que le Whistleblower... Non, il va me demander de l'acheter. Ouais. Je vérifie au cas où, mais... Le PlayStation Store, ça. Quand on se lance. Il coûte combien, le Whistleblower? Bah, faudra déjà que j'arrive à finir Outlast pour m'intéresser au DLC, quoi. 4,99€, peut-être, un truc comme ça. Bon, voilà. Bon, allez, on se quitte là-dessus. Ben, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette soirée spéciale Halloween. C'était bien sympa, ouais, effectivement. Là, je suis content. Je suis vraiment ravi de lui avoir fait découvrir Project Zero. Moi aussi, je suis content. Apparemment, ça a l'air de te botter. Ouais. Donc, bah, écoute... Je suis ravi de t'avoir accompagné sur ta première run d'Outlast. Bon, c'est pas trop mal sorti, hein. Tu t'en es pas trop bien sorti. La seule fois où je suis mort, c'est ta faute en plus. Parce que c'est toi qui m'as dit, sors, vas-y, va prendre la pile. Bah oui. Donc, franchement, la seule fois où je suis mort, c'est ta faute. Bah, les autres fois où t'as survécu, c'est grâce à moi aussi, mais bon. Non, la deuxième fois où j'ai survécu en me faisant courser par le type, c'est quand tu m'as dit, retourne-toi et monte. Bah oui. Bah, les autres fois, après, moi, j'ai couru comme un con, hein. Oui, c'est moi qui t'ai dit de fermer la porte, de te cacher dans l'armoire. Non. Bref, allez. Non. T'es un champion. T'es un champion. Ouais. Je suis un homme avec un t-shirt de Yoshi. Yeah. Yeah. Je suis un homme. Je suis un bonhomme, moi. Je suis un bonhomme. Bien, alors. C'est bon, ton ego va mieux. Pas ma gorge, mais mon ego va mieux. Oui, ça en va, effet. C'est important. Bon, ben voilà. Donc, allez, ça fait la quatrième fois que je vous dis au revoir. Il va falloir qu'on passe par ma cour qui est éteinte là. Oui. Okay. Si je te ferai des bruits bizarres en suivant. Non. Non. Tu sais quoi? Pour une fois, tu vas me chanter du Patrick Sébastien. Le pacte, voilà. Mousse, tourner les serviettes, que des trucs comme ça. Hein, mais voilà, interdiction de chanter autre chose. On ne fait que du Patrick Sébastien. Allez, on vous laisse. Ciao, ciao. Ciao. Bonne nuit. Dixit, le mec qui vient de se chier dessus à Outlast. Ça va aller. Pas sûr.